Eh ben salut les mains et ses amis, allez, on se retrouve sur le Hofbermann pour une, ben, je veux dire, pour une préparation pour le mode saison en fait, parce que je vais jouer avec le mode saison. Donc qu'est-ce qui change sur cette dernière version qui est sortie? Moi je jouais sur la bêta. J'ai pas regardé ce qu'il avait mis exactement, ce qu'il avait fait changer. Du coup pour les animaux, on a de l'ensilage de maïs, l'ensilage d'herbe à donner. J'ai encore pas acheté des animaux, on les achètera. Il y a aussi le système des tuyaux, là, le système. Ah, j'ai bouffé le nom. En fait. Oh, putain, ma souris qui glisse, du coup, je vois plus les touches pour la manette, bordel. C'est chiant ça, voilà. Pardon, excusez-moi pour ça, bordel. Alors attendez. Voilà. Du coup, si, admettons. Ah, voyez, je peux débrancher le tuyau, mais moi j'ai des fois j'ai des bugs. Des fois j'arrive pas, vous voyez, si je chope le tuyau là par exemple, mais choper l'objet, je chope l'objet, vous voyez, je peux pas le débrancher de la remorque. Alors est-ce qu'il faut le débrancher d'ici? Et j'arrive pas non plus à les mettre là. J'ai vu que Snookistou arrivait et mettait ici. Alors je sais pas comment est-ce qu'il y a une manip ou pas sur le truc. J'arrive pas à les mettre. Je sais pas, il y a peut-être un truc que j'ai oublié. Par contre, je vais peut-être éteindre le... Voilà, le tracteur. Donc, au niveau du matériel, on a un petit Renault, tout le reste c'est du clos, ça. En tracteur, en moissonneuse, en ensileuse. Du coup, là, ils ont enlevé le Silmaster qu'ils ont mis où il y a le silo à gras. Voilà. Donc, là, il y a un clos. Donc ici vous avez le silo à maïs, vous voyez, maïs hacheur. Donc c'est maïs, voilà, silage de maïs. Et là c'est pour l'herbe. Alors soit vous mettez l'herbe comme ça, ou à ramasser en auto-chargeuse. Et ça là-dedans, bah, vous mettez pour faire sécher l'herbe en fait, vous voyez. Vous pouvez mettre le trèfle, le foin, l'herbe en silage d'herbe, comme ça vous fait de l'ensilage d'herbe directement, quoi. Bon, ça vous le connaissez, hein. Après, pour donner à boire, donc vous êtes obligé de prendre le système des tuyaux, là. Je vous avoue que ça va peut-être pas trop, ça va un peu m'agacer parce que c'est un peu chiant. Alors normalement j'en ai un ici, il faut que j'arrive à le choper. Voilà, donc si vous mettez comme ça, donc vous voyez, ouvert le flux, donc là j'ouvre le flux, je ferme le flux, je peux débrancher le tuyau, voilà, je le rebranche. Encore des tuyaux, voilà, là ça marche nickel, mais sur les remorques, moi ça marchait pas, donc j'arrive pas à les débrancher. Voilà, je suis obligé de faire suivre le tuyau. Alors, est-ce qu'il y a une manip à faire, ou j'en sais rien, il y a un bug, j'en sais rien. Et ici, là, ils ont fait un petit rangement. Alors, je sais pas si ça va marcher, je vais essayer. Alors, moi, je sais que je me mets par là. Faut chercher un endroit où. Putain, ça va prendre la main. Bien sûr, je suis en vidéo, ça marche pas. C'est pas très au point leur truc quand même, je trouve, hein. À un moment, il y a un endroit où c'est marqué raccord des tuyaux et où vous appuyez pour raccorder des tuyaux et ça vous les range en fait. Ah, bon, bah là, ça me l'a rangé. Alors, je sais pas du tout où c'est. C'est un peu la misère, donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis par terre, ça m'a agacé. Mais il y a un endroit où c'est marqué raccord des tuyaux. Du coup. À peu près, bah après les autres, vous avez le fromage, vous avez la farine, vous pouvez faire votre pain, ça y était. Il y a les tonneaux, vous pouvez faire le cidre, vous avez les pommes. Bon, on découvrira plus au fur et à mesure. C'est une vraie, ça, ouais, c'est vrai, c'est une vraie. Ouais, du coup, donc là il y a les canards et les poules, hein, ça vous le savez. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller faire du seigle. On va aller faire du seigle pour pouvoir faire de la farine de maïs, pour pouvoir s'occuper un petit peu de faire du pain. On va préparer, faire de l'ensilage. Fera de l'ensilage de maïs, on fera de l'herbe. On fera tout pour préparer, puis après j'activerai le mode saison. Comme ça au moins on sera tranquille. Pour planter. Je
trouve que c'est, il est bien le mode saison, mais je trouve qu'il y a un truc qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas, comment dire, commencer à la saison qu'on veut, quoi. Ce serait bien que si tu pouvais choisir le printemps, été, automne ou hiver, toi. Ça serait sympa. Du coup, alors voilà, nous avons la Crombie X, donc le Scorpion, vous l'avez vu, la 980, la 8000, oui, tant qu'à faire, on a pris les gros. Donc le Renault, on a le CK 870, celui-là, on a le 650, on a le 450, on a le 960. Et je sais quand ah oui, ce camion qui restera ici, qui montera du grain, enfin de la semence et de l'engrais. Pour l'instant, pour la semence, j'ai pas trop envie de me faire chier à le faire, je préfère en acheter, comme ça moi, on sera tranquille, je ferai des big bags à la ferme. Ah, puis on a le Ford Transit aussi qui vous met au début. Oui, bah ça vous connaissez aussi. Et puis bah voilà. Du coup, on va prendre la. Alors attends, je crois que c'est le champ 11. Le champ 11. Allez, c'est parti. Ouais, c'est, il me semble bien que c'est le champ 11, ouais, c'est ça, un seigle, seigle. Quand même être sûr, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, ils sont tous. Donc j'ai le 11, vous voyez, j'ai acheté le 16. J'ai acheté ici aussi, c'est pour l'herbe. Je crois bien que j'ai acheté ce terrain aussi. Ah non, je l'ai pas acheté celui-là. Peut-être intéressant de l'acheter, non? Pour l'herbe. Ouais, si on veut faire un peu d'herbe, ouais, on va l'acheter. On a un peu de sous. Putain, on a un peu de sous, il reste plus grand-chose. Hein. Voilà. Il n'y a plus grand-chose. C'est parti. Bon, ben, j'espère que les amis, vous allez bien. Dans cette période un peu bizarre, on va dire, dans cette période de confinement, déconfinement, ben nous ça fait trois semaines, ouais, plus de 3 semaines qu'on a repris le boulot, enfin pour toutes les équipes. Mais bon, c'est vraiment, enfin ça fait bizarre quoi. Il y a des sociétés qui respectent un peu les gestes barrières, des sociétés qui respectent pas. Quand on voit trois par camion, tu dis, il y a quand même un souci quoi. Ah oui, c'est sûr, putain, il est grand celui-là. Ah, vache. On verra plus tard, peut-être qu'on achètera ce champ pour en amener des vaches. Oula. Ouh, putain, j'ai failli me prendre l'arme. Du coup, je regardais même pas. Ouais, on va attaquer là, tac, on va le dépouiller. Enfin, j'en parlerai pas plus parce que je suis pas expert dans ce truc. Mais moi, je vous dis, j'y vois pas beau quand même, hein. C'est la dernière semaine, la semaine dernière, je peux vous dire que les derniers jours avant le 1er mai, moi je trouvais qu'il y avait de plus en plus de voitures vers chez nous. Par contre, activer, ouais, Andin, on va faire des Andins. Putain, qu'est-ce qui me bloque? Ah merde, il y a un arbre. Oh la vache. Voilà, on va faire le tour. Hop, allez, c'est parti. Mais c'est quand même une sacrée merde qui nous est tombée sur le coin de la gueule quand même. Mais bon, apparemment, les gens ne comprennent pas à quel point on est petit sur cette terre. Et l'humanité ne pense qu'à faire du pognon en fait. C'est quand même incroyable quoi. Des gens meurent et on pense à faire qu'à faire du pognon. C'est incroyable. Tant que l'humanité n'aura pas compris qu'on n'a pas grand-chose sur cette terre, on n'y arrivera pas, je vous le dis. Enfin bref, allez, c'est bien, on va changer de sujet. De sujet, parce que.
Bah donc du coup on va préparer pour faire le mode saison. En fait genre la bêta 4 que j'avais pris en étant supporter sur leur forum. J'avais attaqué avec le mode saison du coup. Bon il y a quelques subtilités que je connais pas tout du mode saison parce que en vrai dire je l'ai testé vite fait mais en fait je suis vraiment pas comment dire je sais vraiment pas du tout toutes les subtilités du mode en fait. Donc voilà, peut-être que je demanderai un coup de main et tout. Ah oui, je voulais vous dire, bah pour ceux qui pêchent à Russian Fishing, je mettrai dans la description mon Discord. Parce que comment dire, une partie où il y a. Une partie où il y a. C'est consacré, enfin c'est consacré. Comment vous dire? J'ai réservé un endroit pour Ocean Fishing en fait. Vous pourrez poster vos photos, vos spots et tout. Parce que avant j'étais sur le Discord de Ocean Fishing officiel. Mais maintenant faut aller sur leur forum. Moi, le problème c'est que sur leur forum je peux pas m'y réinscrire ou m'inscrire. Parce que j'étais inscrit au début du jeu parce qu'il était sorti en Russie, je l'avais pris sur leur forum. Et j'ai recommencé sur Steam. Et du coup, quand je veux me réinscrire, hein, quand je veux aller sur Steam, me prendre mon ancien compte, pour voir un peu les spots, il me dit que je suis pas dans la région. Enfin bref, ça m'a agacé. Et du coup, leur Discord, il sert plus à rien, quoi. Avant, ça allait bien, t'avais tous les petits spots et tout. Donc, s'il y en a que ça intéresse. Ah ouais, mais par contre, il faudrait que je le débloque. Ouais, j'enlève parce que je l'avais cadenassé. Mais voilà, s'il y en a que ça intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, on pourra éventuellement se donner deux ou trois petits spots, deux ou trois petites astuces. Et il y aura même un salon vocal pour ceux qui veulent des fois venir tranquille. Moi, j'y serai pas. J'avoue que Russian, j'y pêche par période en fait. Et je trouve qu'il y a des fois, il y a un petit peu du foutage de gueule, quoi. Il y a des spots, ça va bien marcher, vous voyez. Et du jour au lendemain, pouf, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Alors tu retournes à des spots que tu connaissais, ça marche pas, tu mets longtemps. Et il y a des fois, je regarde des streamers, je me mets au même poste, au même spot. Je lance à peu près à la même longueur, parce que je sais pas, enfin, de toute façon, ça se situe généralement entre 20 et 40 mètres, des fois 50 mètres. Je lance au même endroit. Je mets les mêmes appâts. J'ai le PVA, bon, alors mixture, je sais pas ce qu'il y a. Alors ça vient peut-être du PVA que j'ai pas les mêmes mixtures qu'ils font, j'en sais rien. Eux, ils chopent le double de poissons que tu chopes toi. Alors tu dis, je veux bien. Mais tu te dis, t'as, il y a un problème, il y a un souci, il y a un souci dans le potage. On ira en mettre une remorque au moulin tout de suite. Ouais, une remorque. Même pas une remorque parce que ça en fera beaucoup je pense hein, parce qu'il en faut beaucoup des sacs de farine pour ouais c'est pour ça que je regarde pratiquement un ou deux que je connais toi qui sont à peu près dans la même situation mais les autres vous savez les grands experts de Russian Fishing je les citerai pas mais au bout d'un moment, ça m'agace de les regarder parce que tu t'y attends, tu te mets à la même poste. Les mecs, ils te sortent du poisson sur poisson sur poisson sur. Déjà, ils dorment sur le jeu, les mecs. Je sais pas comment ils font. H24 sur le jeu, quoi. Moi, je sais pas, au bout d'un moment, je suis obligé de changer de jeu ou je m'arrête ou je vais sortir. Hein. Les mecs, je sais pas, derrière, ils ont que ça à faire dans. Enfin, je sais pas. H24 sur le jeu, moi, quand je vois comment la longueur que c'est pour monter en niveau et tout. Puis j'avais le premium, je l'ai plus du coup. Je vais pas le reprendre pour l'instant. Le premium, on verra. Putain, je vais arriver à faire une trip. Pardon, une trémie pleine. Rien qu'en faisant pratiquement un tour, je l'ai pas fertilisé d'ailleurs. Je sais même pas combien il est fertile. Pardon. Ah ben il est même pas fertilisé. Oh mais c'est pas vrai. Fertilisé. Alors s'il était fertilisé, eh ben j'aurais fait une trémie pleine
même pas en un tour, je pense. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, on va faire une trémie, et après, j'emmènerai le grain. On va la vider, la trémie, et après, j'emmènerai le grain au moulin. Et puis, je pense que j'arrêterai la vidéo là-dessus. Parce qu'en fait, j'avais fait déjà une vidéo, en fait, avec le mode saison et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, là où j'ai garé ma moissonneuse, mon ensileuse, bah, que le hangar avait disparu. Alors, je sais pas si j'avais fait une mauvaise manip, si j'ai vendu le hangar en fait ou pas, ou si c'est embêtant parce que j'avais pas changé la sauvegarde. J'avais pas refait une sauvegarde avec, avec la sortie officielle de la Barman. Donc, du coup, je sais pas trop si c'est moi qui ai fait une connerie ou pas en fait. Donc là, hop, 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 Maurice. Voilà. Voilà. Du coup, on va prendre le. On va prendre le gros. Non, c'est pas le gros. On va prendre le. Non, voilà. Allez, normalement, on va aller chercher. Bah, du coup, on va aller chercher la remorque. Là, faut que j'en mette un en Black Warrior. Je l'aimais bien celui que j'avais sur le 17 et le 15. Le 15, on m'avait fait un Black. Elle avait envoyé un Class 870 en black, il était super joli. Super joli. Putain, j'ai pas mis de masse, merde. Et du coup, ouais, j'ai refait un dossier. Il faut que j'ai encore pas tout remis les modes que j'ai besoin et tout. Bon, j'en ai déjà pas mal les modes, hein, vous allez me dire, mais. Quelques petits modes que j'aimais bien, mais enfin, on verra. Donc, du coup, bah ouais, vous connaissez ça en fait. Donc, du coup, oui. Du coup, ils l'ont mis là, le Sealmaster, hein, pour ceux qui le cherchent. Bon, ça, c'est pour le compost, hein, tout le monde connaît, voilà, tac. Ils l'ont mis là, Sealmaster. Alors, moi, il y a un truc qui m'a fait. Au début, j'étais là, je dis, mais comment ça marche et tout, on fait comment pour vider et tout. Et en fait, vous avez une touche. Regardez, j'enlève la bâche, hop. Je remets la bâche, j'enlève la bâche. C'est super stylé, en fait. Heureusement qu'il Farmer Andy et sa team, enfin je pense qu'il doit pas être tout seul, enfin bref, qu'il est là pour nous faire des. Bah, pour nous faire des scripts que tout le monde reprend, bien sûr, sur la map. Et après certains qui se font mousser parce qu'ils ont mis ça sur la map, ça. Non, non, non. T'as juste copié ce que en fait la Berman a sorti, quoi. Pour ça me fait un peu délirer. C'est pour ça que je me suis un peu éloigné un peu du monde de farming là. Je fais un petit peu moins, beaucoup moins de vidéos, même de moins en moins, même plus du tout des fois. Parce qu'en fait, ça m'avait gavé en fait la mentalité, quoi. La mentalité en fait de certains mappeurs, certains modeurs, certains youtubeurs aussi. Enfin, je sais pas, il y en a qui touchent plus terre, de toute façon, on sait. Mais voilà, ça m'avait un peu. Voilà. Gavé, j'ai envie de dire, ça m'avait gavé. Il y a beaucoup d'anciens mappeurs que même sur Twitch, je regardais pas mal de live. Enfin, pas mal. Je regardais quand j'avais le temps le soir de live sur Twitch. Maintenant, je regarde plus du tout du farming sur Twitch. Hein. Bah, d'ailleurs, il n'y a plus personne des anciens. J'ai envie de dire, il n'y a plus personne qui stream du. Moi, je ferais bien des lives sur Twitch, mais bon, ça, vous savez, des fois, la collection en ce moment, il y a des hauts et des bas. Oui. Ouais, d'ailleurs. Donc, du coup. Ça m'avait un peu saoulé en fait. Pour ça que je joue pas mal, vous allez me dire, j'aurais pu vous faire de vidéos sur d'autres jeux, mais bon, après. Vous savez comment on est en France, quand t'es sur un jeu, si tu sors un peu du jeu. Puis là, j'essaie de refaire un peu de TP, mais. Au niveau des engins de TP, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est tout buggé. T'as la TSF, enfin le Compassor Lac là, qui sort des modes tout buggés déjà. Alors, ça aussi, c'est gonflant. J'avais téléchargé une Liebherr, vous savez, la pneu, je l'ai acheté, elle me faisait un truc invisible dans le concessionnaire. Alors, du coup, je me suis dit, alors normalement, c'est comme ça. Si ouais, je vais peut-être mettre les 18 000, on verra. Normalement ça le vide. Ah, c'est des. Ah, bah ça s'est activé. Ça s'est activé. Normalement. Ah, ouais, 12 000. Ah, bah, c'est bon. Ouais. C'est bon, nickel. C'est 12 000.
Je me rappelais plus combien on pouvait en vider. Par contre, le steak, j'ai pas vu la. Je sais pas combien il est. Ah merde, je l'ai loupé. On a blé, l'orge, l'avoine. Comme ça tourne seul. Soja, maïs, pommes de terre, betterave, coton, peuplier, les œufs, le coton. Bah, il est où ce putain de. Attendez, je suis biglou ou quoi? Ah, seigle, ça y est. Ah ouais, ça, putain, ça paye pas du tout. Ouais. 500 et quelques, mon gars. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Lol, oh là là. Allez, on va ramener le tracteur au champ et puis on va s'arrêter là parce que ça fait 21 minutes, mine de rien, les enfants. Hein, les Maurice? Bah oui, les Maurice. Allez, c'est parti. Donc, du coup. Oui, alors vous me demandez. Oui, pourquoi je fais une vidéo maintenant? Parce qu'en fait, je suis en vacances la semaine du 1er mai. Entre le 1er et 8 mai. Alors, me demandez pas pourquoi je suis en vacances. Moi, je pensais qu'ils avaient pris mes derniers jours de vacances que j'avais posé cette semaine s'il n'y a pas eu ce coronavirus. Pendant le confinement. Ah non, apparemment, non, ils nous ont dit, bah, vos vacances sont acceptées. Ah bon? Alors moi, dans ma tête, je cherchais, je dis, mais ils parlent des vacances de quoi d'été? Bah, heureusement qu'elles sont acceptées. T'es. Ah non, vos vacances du mois de mai. Ah, je regarde, je dis, mais vous les avez pas pris pour les mettre pendant le confinement, c'est ce qui était marqué dans le mail, parce qu'ils nous ont envoyé, mais. Ah non, on vous les a, comme ça, on s'est dit, vous vous reposerez. Ah bon, d'accord. Enfin bref. Bon allez, sur ce, mes amis, je vous dis aimez, partagez et abonnez-vous, salut les